Quand le bateau a coulé, j'ai été la seule réfugiée à gagner la rive. J'ai serré la main de mon mari jusqu'à la dernière seconde. Je sens encore la force de ses ongles contre mes doigts. Vous savez, cette première nuit où il m'a dit « partageons nos souvenirs », je me souviens que j'étais un peu inquiète. Mais il a souri et on a appuyé en même temps. Tout à coup, j'ai tout ressenti. Pour la première fois, je vivais tout son amour pour moi. C'était tellement chaud et fort que ça faisait presque mal. Ça va faire 3 ans que nous vivons chaque jour, comme le premier. Il faisait tellement chaud ce jour-là. Et il y avait cette odeur tenace de plastique brûlé dans les rues. J'ai marché à travers la ville avec les autres enfants jusqu'à ce qu'on arrive tous à la sortie de Paris. Personne n'a tiré. La guerre était terminée. Je sais pas si j'aurai le courage d'offrir un jour tous ces souvenirs à mon fils. Mais je suis soulagé de savoir qu'ils sont à l'abri de tout risque. Grâce à mon sensen, je choisis de me souvenir des moments importants de ma vie. Bon ou mauvais. Grâce à mon sensen, mon mari est encore bien vivant. Là. Alors c'est sur cette magnifique musique que je vais vous dire bonjour à tous et à toutes. Je suis Séos et bienvenue dans ce premier épisode de Remember Me. Un jeu développé par Dontnod, un studio français, et édité par Capcom. Quoi, comment ça? On dit pas Capcom? Ah désolé, je sais pas, j'hésite des fois. Alors, je n'ai pas encore joué au jeu, donc ce sera vraiment un épisode découverte. Et je compte sur eux pour savoir si vous voulez ou pas que je continue, si ce jeu vous intrigue et que je continue l'expérience jusqu'au bout. Mémoire du sujet effacée. Sensen en attente de nouveaux contenus mémoriels. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Quel est votre nom? Niline. En quelle année? Répétez ça. Niline. Mince. C'est une première. Pas grave. On raclera les derniers souvenirs. En quelle année sommes-nous? Je sais pas. C'est 2084. Vous savez où vous êtes? Non. Pas si résistante que ça, finalement. Merci pour votre coopération. Docteur Quaid? Oui. Ce sujet se montre résistant. Achevez le protocole de substitution, puis envoyez-la moi. Je me chargerai d'effacer ces dernières réticences. Bien, docteur. Levez la tête, s'il vous plaît. Ok, donc le tuto a commencé.
L, R, pour regarder autour de vous. Je ne peux regarder qu'en haut. Merci. Maintenant, levez-vous. Bioscan. Capcom Prisons. Veuillez suivre la ligne orange jusqu'à votre prochaine affectation. A Don't Nod Entertainment Production. Oscar Gilbert. Je me souviens de rien. Hé, hey, oh, Hervé Bonin. Non, j'arrête, c'est bon. Oh, ouais, pas l'air bien, hein. Quelqu'un qui sait nous appeler là. Rien ne va. Quoi, pour l'instant ça va, hein. On n'a pas encore joué vraiment, mais l'introduction est assez sympathique. Merci de faire la queue et d'attendre votre tour pour vous asseoir sur le fauteuil. C'est comme la poste, il faut faire la queue et tout. Oula. Ouais, c'est pas tout à fait comme la poste. Oh, oh, c'est bon, j'avance. Niline. Je baisse le son un peu. Niline. Tu m'entends? Oui. Ils vont t'effacer la cervelle, Niline. Ne les laisse pas faire. Je vais provoquer une diversion. Sois prête à bouger quand je te le dirai. Qui êtes-vous? D'accord. Je suis la voix que tu dois écouter. Je suis la voix. Quel est donc ton secret? Ah. Hey, joli tatouage. Merci de faire la queue et d'attendre votre tour pour s'asseoir sur le fauteuil. Je pense que c'est peut-être la diversion en fait. Attention. Alors, ça a attiré une bonne tête. Niline, le grand volet métallique va se lever sur ta gauche. Si tu m'as compris, bouge la tête. Je suis branché sur ton tête. Un move. Je le sentirai. La porte passe en dessous, maintenant. Ok, j'arrive. Plus vite. Elle est une étrange façon de passer sous les portes. Lâche-toi. C'est joli. Attendez deux secondes. Je l'ai pas paramétré, comme à mon habitude. Deux chronomètres. Ce qui peut être problématique. Surtout si je dois faire une vidéo de 27 minutes. Et que je m'entoure avec un truc de 45 minutes. Je pourrais pas faire d'intro et quoi que ce soit, donc... Enfin, je me comprends, hein, j'ai pas d'excuses... valables à vous donner pour cette pause, micro-pause de quelques secondes. En tout cas, ce robot, en fait, il est super magnifique. J'aimerais trop pouvoir le contrôler. Ça me fait penser qu'il faudrait que j'aille voir Pacific Rim au cinéma. Qui, en... possiblement, est un très bon patient film. Enfin, possible. Déploiement de l'unité de coercition. Coercition, qu'est-ce que c'est? Oh putain, il est aussi bon que ça. Oh shit! Leave me alone! Allez, cours! Oh merde! Merde, cours! Il y a une ligne rouge au sol. Oh putain, c'est trop près. Oh! Le passage sur ta droite, prends-le. Ah, c'est bon. il faut tout pour essayer de nous faire peur dès le départ. Relève-toi, tu dois continuer. Pas de problème, la voix. De toute façon, hein,
Je n'ai que ça à faire, hein. Je ne peux pas faire autrement, la voix. Je suis obligé de suivre tes ordres. Où suis-je? Je ne sais pas. Oh putain, il y a des gens. Presque. Glisse-toi dans un cercueil. Vite. Ils sont pas tous morts, hein. Ouais. Jean-Maxime Maurice. J'essaie de faire avec une voix plus grave, j'ai pas réussi. Le coffre du mort. Ce que je fais qui m'apprend ce que je... C'est ce que je... Ah non, Pierre Soulage. C'est ce que je fais qui m'apprend. Et... Nilin, est-ce que ça va? Non, je veux sortir d'ici. Fais-moi sortir d'ici. Calme-toi. Je m'appelle Edge. Fais-moi confiance, Frangine. Je l'ai fait, Frangin. Et me voilà enfermé dans un cercueil. Je dois te préparer à ce qui t'attend à l'extérieur. L'ennemi, c'est Memorize, une société qui fait le commerce des souvenirs numérisés. Ils appellent cette technologie le Sensen. Et le monde entier y est accro. Tu suis? Oui. Tu étais une chasseuse de souvenirs, Nilin, la meilleure. Les autres chasseurs pillent les souvenirs. Toi, tu les remixes. Et surtout, tu es une erroriste, comme moi. Pourquoi ils m'ont fait ça? Tu étais une révolutionnaire, mon meilleur agent. Nous nous battions pour qu'aucune société ne monopolise les mémoires. Mais j'ai échoué. Nous avons été arrêtés et emprisonnés. C'est vraiment très intéressant, mais j'aimerais vraiment sortir de ce cercueil. Maintenant! Les courants vont t'emporter jusqu'au slum 404. Une fois débarqué, je t'expliquerai mon plan. Remarquez la quantité de jeux, en fait, qui n'ont pas de titre en français. Ça aurait été « Souviens-toi de moi ». C'est sûr, ça passe tout de suite moins bien. Slum 404, Néo Paris. Dimanche 17 septembre 2084, à 7h18. Oh. Oh shit. C'est des gollums? Oh mon dieu, qu'est-ce qui se... Écoute, Johnny pleure. Oh merde. Ah, ils ont une sale tête, hein. Douleur partagée maintenant. Peur perdue maintenant. La douleur est partagée maintenant. La peur est partie. Peur. Peur. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Perdu. Perdu. Ah oui, c'est sûr. Hein. C'est pas la même chose. L'arme est choix. Et pourquoi pas? Ami? Tu rêves, ma petite. Je suis pas de la tribu. C'est ça? Il y a un décalage avec la voix. Oh shit!
utiliser L et A pour effectuer une esquive. Je ne veux pas me battre avec vous. Je ne veux pas mon jeu. Tu dois le faire, Niline. Ah. Ces gars de Turon, utilise tes pressènes. Mes pressènes, qu'est-ce que c'est? Appuyez sur back. Combo lab. Au fil de votre progression, vous déverrouillerez des souvenirs et de techniques de combat, appelées pressènes. Vos combos à gauche peuvent être personnalisés avec les pressènes déverrouillés. À droite. Ok. Le premier placement de votre combo ne peut pas être personnalisé. La séquence de touches d'un combo est prédéterminée et ne peut pas être modifiée. Les Presence de puissance infligent de lourds dégâts. Utilisez-le pour donner des coups dévastateurs. Utilisez un combo de blablabla. Je veux jouer. Alors... ouais. D'accord, super. Oh shit! L'affichage dynamique des combos situé en bas de l'écran indique les coups effectués et permet de garder un œil sur la progression. Ah, je vais mourir! Ah, j'ai eu. Ok, ça a l'air facile en fait. C'est qui eux? Des Leapers. Des êtres misérables qui vivent reclus dans les bas-fonds de Néo-Paris. Misérables? J'aurais plutôt dit monstrueux. Ce sont les enfants non désirés de l'âge du Sensen. Des humains comme toi et moi. Un écho honteux que nous préférons craindre. Une excellente justification. Du combat erroriste. Qui est là? Oh shit, il y en a encore. Apparemment, je suis dans le métro. Les bornes 7 proposent des services nanomédicaux gratuits à tous les citoyens, c'est génial. Ok. Tu dois sortir d'ici et retrouver Tommy la migraine. Je l'ai prévenu de ton retour. Qui? Il tient un bar en haut du slum 404. Commence par grimper hors de cette décharge. D'autres instructions suivront. Tommy la migraine, vous parlez d'un nom? Voici je... Ah. Ok, d'accord, il est là... Oui, oui, non, mais ça je savais, j'avais vu dans... On se dirige un peu comme dans Tomb Raider en fait. C'est juste que c'est du combat au corps à corps. Oh punaise, je suis déjà à l'actualité. Ah, c'est assez facile hein, pour l'instant. Danser, c'est le tutoriel. J'aime bien le niveau de détail, c'est pas mal aussi. C'est marrant. Mais bon, si c'est ça le futur, franchement, Paris n'est plus une destination. Clairement. Edge. C'est qui ce Tommy? Tommy était ton meilleur ami. Un ex-chasseur de souvenirs resté fidèle à notre cause. Son bar est une carcasse de cargo située au-dessus des écluses du Slum 404. Le Leaking Brain. Tu peux pas le rater. Cool. Oh non, il y a des tableaux et tout qui sont déchiquetés. Je peux aller derrière. Ah. Il y a des... L'ONG destinée pour combattre la forme d'ignorance issue des pertes mémorielles. D'accord, il y a des collectifs. Des choses à collecter. Hésitez de le dire en anglais. Non mais... La tour Eiffel! Eh bien! Bienvenue à Néo-Paris! Restauration en continu au Leaking Brain.
crabe croustillant à la Tommy et crevettes de vase sauce slum. Vous savez à quoi ça me fait penser un peu l'ambiance du jeu ? À Beyond Good and Evil, un autre jeu français développé par Ubisoft cette fois-ci. Et il était vraiment pas mal, vraiment très très bien, un peu court. Et on attend le 2 depuis, on va dire, des années, c'est incroyable. Oups. Ça va vous ? Olga Sedova en chair et en glace. Le voyage de la route. Là, voilà. Ça m'a fait peur, lui. Ah, des masques. Pas des masques, c'est plutôt des visages de robots, en fait. Un terroriste a laissé le souvenir d'une cache à votre attention. Alors c'est quoi ce bug ? Ok, d'accord. J'avançais en fait continuellement contre le truc, c'est pas un bug. C'est ma faute. Il y a un autre gars là qui traîne dans... Bon, ça c'est pas très beau, mais bon, on va pas... Où sont les gens ? Il doit y avoir quelqu'un ici. Ouh, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire avec ce robot. Ne me regardez pas comme ça. Non, je n'ai pas un gros esprit, c'est vrai. Attendez. 5 patchs pour avoir plus de vie. Hopé. Ah, c'était sûrement pas ce que je devais faire. Donc je vais devoir remonter. Ah, c'est la folle. Oh oh, ça ressemble vachement à une arène, donc combat time. Wow. Je vais te... Ouvrir le menu. Fuck! Si vous avez remarqué, c'est que la musique en fait réagit en fonction des combos réussis ou pas. Donc en fait, s'il y a de la musique, ça veut dire que je joue très 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 bien. S'il n'y a pas de musique, si ça coupe, c'est comme. Comme dans Guitar Hero, si vous voulez un exemple pour un autre jeu. Et donc, vous n'entendez plus la musique, tout simplement.
D'accord, ça c'est une, en fait c'est une sorte de d'indice en fait pour trouver un objet. Donc un bras robot avec plein de décombres autour. Si je trouve un truc comme ça. Ah bah c'est ce genre de bras là d'ailleurs. Wow, merde. Ça fait peur. Allez, goûte. Encore un autre tutoriel. Palier de PMP atteint, nouveau presence, blablabla. Débloquer le X. Que je vais mettre ici. C'est-à-dire que mon combo maintenant est plus long et du coup... je suppose qu'il fait plus de dégâts. Hop! Ouh là, c'était pour... J'ai failli me planter, moi. Ah, ben voilà, il est là. Oh, shit! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Pourquoi il monte comme ça? Non! Merde! Oh le... Mais lâche-moi! Cours, lui! Danger, vapeur bruyante. What? Qu'est-ce qui se passe là-haut? J'aime bien le style de la musique, un peu... glitché. Je suis lourd! Dénis-moi! Cours! Punir! Ah. Surveillance! Punir! Donne-moi ta face! La face. J'ai perdu la face. Tiens-me dans la boîte. Oh. Mauvais enfant. J'ai menti. Les mouches me mangent. Oh. Oh putain. Alors, j'avoue, c'est vraiment spécial, hein. Ils sont bizarres. Douleur. Limite flippant. Je t'ai trompé de fille. Non, c'est pas moi. Douleur. Non. Oh, oh fuck. Bon, ça va, il est pas aussi gros que ça. Mais quand même. Ouh. D'accord, il le soigne, je suppose. L'écorcheur est bien plus puissant lorsqu'il est accompagné d'autres leapers. Éliminez les leapers maraudeurs avant de vous attaquer à lui. La fin. Fuck. Bon. Ouch. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que ma carte graphique déconne. Mais je pense que ça fait partie du jeu. Carnage. Ah, il est down. Je l'ai eu. Hey. Alors, les Leapers s'en prennent aux citoyens? Les Leapers étaient des citoyens. C'est bon. Je te crois. Allez, bouge de là. Tommy t'attend au Leaking Brain. C'est assez facile, hein.
C'est ami ou ennemi? En tout cas, au niveau de l'ambiance, c'est assez bien géré. Moi, j'aime beaucoup, en fait. Ça a l'air vivant, entre guillemets, puisque là, on est dans les, on va dire, les slums. C'est tout pourri partout, mais... Au niveau ambiance, on y est déjà. Traverse le marché flottant jusqu'à cet entrepôt. C'est un raccourci pour arriver au bar de Tommy. D'accord. L'erreur est humaine. Tiens, Edge, tu es sur les murs de la ville.